Ike Ok. Bon. C'est Ike Ok, d'accord. C'est Ike Ok. C'est-à-dire. Parce que ça a failli dégénérer et. Et ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé. Dis-nous. Voilà. C'est que bon, je vois un gars au quartier, chez nous, que je vais te dire le nom, qui dit à son papa, on est assis quelque part en train de boire une bière. Toujours. Et son père est à côté. Et il a surnommé son père, oh, Rienton. Et il dit à son père, Rienton, et son père dit, je t'ai dit, je ne suis pas ton égal. Et moi, je t'ai dépassé. J'ai dit que, mais comment quelqu'un peut... Attends, c'est le papa qui appelle son fils Rienton. Non, c'est le fils appelle son père. Oui. C'est possible, ça? Ouais. J'ai dit Rienton. Et Rienton. Puis, le père se retourne, le père dit, je t'ai dit, je ne suis pas ton égal. Et je vais dire, ah, tes gars, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Là, ça partait. Je vous jure que c'est son fils. Oui, d'accord. Alors, moi, j'ai envie de poser deux questions au gars. Que c'est comment? Et heureusement pour lui, pour moi, que son ami même a dit, a pris l'affaire, il a fait pour lui. Son ami nous dit que, j'étais déjà dit que même si ton père est fou, même si ton père est un malade, même si ton père est un soulard, oui. Il reste ton père. Père tu ne dois pas jouer avec lui comme les gens intriguent ton père un peu de partout. Tu viens compléter. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'avoir un père qui est encore vivant, même si ton père dérange de temps en oui. temps? Et pourquoi tu accompagnes les autres dans ça? C'est toi c'est qui devrais interdire aux autres mm-hmm. de parler comme ça à ton père, de faire n'importe quoi. Il dit non, moi je te dis que c'est très grave ce que tu fais. Et moi j'ai seulement dit au gars que vraiment, c'est très bien. Heureusement, et parce que j'allais entrer, c'est ce que tu lui as dit alors. Oui, j'ai dit heureusement. Au gars, vraiment mon petit, tu fais bien de lui parler comme ça. Parce que certains ne savent pas ce que c'est qu'avoir un parent mm-hmm. qui sont encore vivants. Moi, j'aurais voulu que ma part soit même handicapée et que de temps en temps, je puisse venir le voir et discuter quand même avec lui. Mais il n'est plus là. Donc, quand vous avez vos parents, tâchez de bien les prendre. On ne justifie pas l'échec d'un parent, quel que soit le sens. Oui. Dans le sens où tu vois quelqu'un qui dit parfois... Demain, on est parents aussi. Demain, on est parents aussi. C'est ça. Tu veux vu quelqu'un racler son père. C'est pas possible. Et il dit que quand je vais t'expliquer ce qu'il a fait, tu vas comprendre que j'avais raison. Tu n'auras jamais raison. C'est clair. Parce que quel que soit le cas, tu ne c'est peux pas avoir père. Raison. C'est ton père. Eh oui. C'est ton père. Tu vas trouver la raison où? C'était le hic de Calagan. Ouais, ouais. Merci pour le message, hein, Calagan. Non. Ça nous permet d'accueillir Chlorel, si tu permets. Car le